Ok Lily, je m'occupe de ça. Ah c'est bon, c'est déjà allumé. Salut les amis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, j'étais pas prêt du tout pour ce qui est en train de se passer. C'est un truc de fou et là je suis sûr que Lily Rose n'est pas une menteuse parce que je viens de l'entendre. Lily Rose, elle était tranquille dans sa chambre. Bon, vous voyez son lit, il est en bazar. Elle est partie de son lit d'un coup comme ça en courant. Attendez. D'ailleurs... Non, ça va, c'est pas un truc qui est devant la maison. D'ailleurs, en fait, elle est partie de son lit direct parce qu'on a entendu comme un rire ultra bizarre, comme un rire, je sais même pas comment l'expliquer, qui est sorti de nulle part dans la maison et ça venait de sa chambre comme si que ça venait d'en dessous de son lit. Donc, on n'a rien compris. Non, mais. C'est sûr qu'on. Non, mais c'est. Lily Rose! Lily Rose! Oh non, mais ça y est, elle veut plus répondre, elle a dû entendre une deuxième fois le rire. Là vous l'avez entendu en vidéo, donc c'est sûr qu'on a une preuve au moins. J'espère que vous avez bien entendu, j'espère qu'on n'est pas fou et qu'on n'est pas les seuls à entendre ça. Et je sais pas de où ça venait, mais en vrai, enfin, je sais pas, il n'y a rien qui bouge dans la pièce, donc c'est peut-être en dessous du lit encore une fois, mais pourtant on a tout fermé, même derrière, parce que vous savez qu'en dessous du lit de Lily Rose il y a une cachette secrète. Quand on enlève les tiroirs ici, on peut se cacher derrière, il y a de la place en dessous du lit. On a mis plein de vêtements, on a mis plein d'objets pour boucher cette cachette pour que personne puisse y aller. Non, mais c'est sûr que c'est pas ça le problème, quoi. Il n'y a pas quelqu'un encore une fois en dessous du lit. Je vais regarder sur mon téléphone pour voir si j'ai pas reçu un message de quelqu'un bizarre. Attendez, c'est quoi ce mail? D'habitude, personne m'envoie de mail, c'est trop bizarre ça. Attendez, c'est quoi ce truc? Attends. Attendez, je vais prévenir Lily Rose là, je viens de voir un truc, attendez, je vous le dis tout de suite. Lily Rose! Elle veut plus répondre. Ok, bon, je vais la laisser tranquille. De toute façon, je vais la rappeler là pour faire cette enquête-là. Il y a justement un abonné qui vient m'envoyer un mail. Il m'a envoyé ça. J'ai entendu, alors je sais pas si c'est à cause de vos vidéos, mais j'ai entendu un rire bizarre chez moi. Et pas longtemps après, on a trouvé dans ma cave un portefeuille avec un message à l'intérieur. Je sais pas si c'est vous, si c'est comme dans vos vidéos. Je comprends pas vraiment le message, mais comment ça, il a trouvé un portefeuille dans sa cave? J'espère qu'il a pas entendu le même rire que nous, mais ça serait vraiment bizarre. Que le jour où il envoie un message, le jour où il nous envoie un message, le même jour on entend un rire. Ça tombe, c'est la personne qui a fait ce rire là, qui est restée quelque part chez nous pour essayer de nous faire peur. Bon, peu importe, les amis. Ce que je vais faire, c'est qu'on a une cave. Je vais suivre l'abonné, le mail de l'abonné. On va aller voir à la cave avec Lily Rose. Lily Rose, t'as entendu? Viens avec moi. Eh oh! À mon avis, elle a eu peur du rire. Elle veut plus revenir dans sa chambre. En vrai, ce que je comprends, parce que moi, à son âge, si j'avais entendu ça, j'aurais peut-être un peu flippé aussi. Allez, c'est parti. On va aller à la. Non, mais c'est une blague. Je suis sûr d'avoir réentendu. Non, mais attendez. Là, je vais essayer de le trouver. Eh oh! Vous êtes où? Franchement, j'ai aucune idée. J'ai l'impression que ça vient à la fois du coin là, à la fois du coin ici. Je comprends rien. Attendez. Ah, ce qui est bien, c'est que sur mon téléphone, j'ai une application qui peut servir à localiser les objets. Hop, il y a ça normalement sur tous les iPhones. Attendez, c'est quoi cet objet? Attendez, regardez. Il y a un objet qui s'appelle Madame Meda. Regardez, je vous mens pas là. Il apparaît vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Madame Meda? J'ai aucun objet qui s'appelle Madame Meda chez moi. Connecté. Le message est faible. Il faut que je bouge encore un petit peu dans la maison pour essayer de le trouver. Je vais essayer de m'approcher de la cave. On va voir s'il apparaît. Non mais ça serait trop bizarre ça. Dans mon localisateur d'objets, il y a un truc. 3,2 mètres, les amis. Regardez. Attendez. Je vais regarder s'il n'est pas. 3,2 mètres, c'est peut-être à côté de l'escalier. 2,1 mètres? 2,9 mètres? Oh! Ça pointe vers le sol. Ça pointe vers la cave. Bon, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la cave. On va y aller ensemble et on va essayer de voir ce qui s'y passe. Allez, c'est parti. Les amis, je vous avoue que la cave, c'est un endroit où on va jamais. On n'aime pas du tout. Des fois, on entend des bruits bizarres. Et là, regardez. Ah mince, il y a trop de lumière. Ah voilà, c'est bon.
1,3 mètres. Ça veut dire qu'il est vraiment pas loin. Je vais essayer d'y aller. Attendez, l'escalier est juste au-dessus. Hein. C'est pour ça qu'il le localisait. Attendez, là on s'éloigne. Mais c'est vraiment Madame Meda, quoi. Je connais pas cette personne en plus. Attendez, peut-être par ici. Ah, c'est bon. Mais comment ça serait dans l'escalier, là? C'est trop bizarre, ça. Attendez, peut-être ici. Peut-être dans le creux, là. Ah, c'est bon, ça me dit que c'est ici. Mais il y a des pierres ici. Attendez, je vais essayer d'éclairer. Est-ce qu'on peut éclairer? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est peut-être en dessous. Oh, c'est quoi ça? Non mais c'est une blague. C'est un portefeuille. Attendez les amis, je vais vous montrer ma tête là. Je suis choqué Chéco, choqué Chaka. Hein. Attendez, je vais le prendre. Non mais regardez, j'hallucine. C'est un portefeuille plein de poussière, on dirait qu'il a été abandonné là. On n'a jamais vu ça, il était bloqué dans une marche d'escalier de la cave. C'est quoi ce truc? Bon attendez, je vais vous poser ici. Restez bien sur la vidéo là, parce que je crois qu'on va découvrir beaucoup de trucs vraiment bizarres. Ah là vraiment la vidéo elle est à l'arrache, mais en même temps je suis choqué de tout ça. Je vais récupérer mon téléphone. Allez hop, on va ouvrir ça tout de suite. Allez c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Oh, dedans il y a 2 fois 20 euros. Il y a 40 euros dedans. Mais c'est quoi ce truc? Lyrose, elle va être deg de ne pas être venue. Ça aurait été pour elle. Attendez, il y a une feuille dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une lettre. En plus, elle est ancienne. Regardez, on dirait qu'il y a des coins qui ont déjà été mangés par des bêtes, là. Attends, j'espère qu'il ne manque pas des mots. Si tombe, il en manque. Si vous lisez ce mot, vous courez un grand danger. Elle va vous chercher. Elle va vous trouver. Elle vous entra. Signé Madame Meda, 11 juillet 1963. Mais c'était il y a presque 60 ans que ça a été écrit ce mot. Je sais que ma maison, elle est très ancienne, elle a presque 100 ans, je crois. Mais c'est dingue qu'on ait jamais trouvé ce portefeuille. Comme l'abonné, en plus, il a trouvé un portefeuille aussi, c'est un truc de fou. Bon, bah là, les amis, Madame Meda, je sais pas qui c'est, mais je crois qu'on va l'entendre pendant encore beaucoup de temps. C'est peut-être son rire qu'on entend, j'en sais rien, moi. En tout cas, quelqu'un nous cherche. Quelqu'un va nous trouver et quelqu'un va nous hanter. Bon, c'est pas grave, je vais pas forcément prévenir Lily Rose. Bon, les amis, j'espère qu'en tout cas, tout se passe bien chez vous. Il y a que chez nous que ça peut arriver, ce genre de truc. Je vais garder ce portefeuille et je vais montrer ça à Peppa Pink. Peut-être qu'il a déjà entendu parler d'un truc comme ça. Allez, bon, moi je vais remonter. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs à la cave. Et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur une vidéo qui apparaît. Et on se dit, allez, à plus. Madame Meda, on n'a pas fini avec nous, je crois.